Ancré profondément dans la culture américaine, le droit de porter une arme est inscrit dans le deuxième amendement de la Constitution des États-Unis. Un tiers des foyers américains possèdent une arme à feu. Il y aurait entre 270 et 310 millions d'armes dans tout le pays, en moyenne une par habitant, un record mondial. Quelques 30 000 personnes trouvent la mort par arme à feu aux États-Unis chaque année. Des fusillades dans des lieux publics viennent régulièrement endeuiller le pays, relançant le débat sur la régulation des armes. Chaque État américain a sa propre législation sur les armes, mais elle ne s'impose qu'aux armuriers. Les ventes entre particuliers, qui représenteraient 40% des transactions, ne sont pas réglementées. Avant de quitter le pouvoir, le président Barack Obama a décidé de court-circuiter le Congrès pour mieux encadrer l'utilisation des armes et lutter contre la violence par les armes. La NRA, le puissant lobby pro-armes, s'y oppose farouchement au nom du port d'armes autorisé par la Constitution américaine.